Some change, yeah. Please sit down. The graph here, please be seated. The President, the Chamber announced the continuation of our proceedings. The security guards. Je demande aux gardes de sécurité d'amener l'accusé à la barre. The President, the accused, please stand up. Je demande à l'accusé de se lever. Today, the trial chamber received a letter from the defense counsel, Mr. Carsavout and François Roux, signée par Maître Carsavout et Maître Roux. Who submitted a letter to the trial chamber? C'est une correspondance adressée à la chambre, dans laquelle to have Mary Paul, the lawyer, Mary Paul Caliza, les avocats demandent à ce que Maître Marie-Paul Canizares to replace François Roux puisse remplacer Maître Roux. In the situation when he is unavailable, lorsque celui-ci n'est pas disponible, do you agree to the proceedings of the trial? Êtes-vous d'accord with the replacement demande le président à l'accusé. As requested? The accused, yes, I accept it. Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président. Please be seated. Le président, says the President. Veuillez vous asseoir. The President, next. In accordance with Rules 27, conformément à la règle 27 of the ECCC Internal Rules, I would like to invite the Defense Counsel, j'invite maintenant la the défense, National Defense Counsel, l'avocat de la défense, to request for recognition of the international lawyers as requested. À demander l'accréditation and de he hasn't yet been étranger. Acknowledged by the Chamber. En l'occurrence, Maître Canizares, qui n'est pas encore connu de la Chambre. The National Maître Carsavout. Defense Lawyer, Mr. President, your Monsieur honors, le Président, your national and international Madame, Messieurs les judges, Juges, I am a National Co-Lawyer. Je I would like to seek your permission de Duc. To recognize et je vous demande de bien vouloir Mrs. accréditer Mary Paul Madame Marie Canizares, Paul Canizares, who is a member of the bar of Montpellier, avocate from au France. Barreau de Montpellier en France. She already took an oath at the bar association elle a déjà of Cambodia prêté serment auprès du barreau before cambodgien the president of the courts of appeal on the 6th de of April 2009. Le 6 avril 2009. Therefore, I would like you, the judges, national and international, to recognize this lawyer as my co-defense lawyer for the accused can get ill from today onward. Thank you. L'accusé. Donc, à partir d'aujourd'hui. The President. Merci. Le Président. Please stand up, Mary Paul Canizares. J'invite Maître Canizares à se lever. Mary Paul Canizares. The trial chamber
recognize mettre la chambre as vous a defense lawyer for the accused de la for the purpose of the proceeding before this trial chamber. Pour le présent dossier. With that recognizance, you enjoy the same rights and privileges as the national co-defense lawyer from this point onward. Cambodgien de la défense. Vous pouvez vous rasseoir. The president, next. The chamber continue the proceeding by listening to the testimony of the witness. Reprendre la mise en audition et nous entendrons cet après-midi un témoin, François Bizot. Bring the Je witness demande into the courtroom. À l'huissier d'amener le témoin. Okay. The president, the co-prosecutor, the floor is yours. Thank you. Can I ask a clarification? Is it the intention of the trial chamber to have the witnesses testify beside the accused in all cases? Or should not more appropriately the accused be sitting behind his consoles? Can I ask clarification? The President, thank you, the co-prosecutor. Je remercie les we had a proceeding where we need to ask about his rights. The rights of the accused to accept his international lawyer. So that was part of the previous proceeding. The security guards, you can bring the accused. Je demanderai donc maintenant au garde de sécurité d'accompagner l'accusé pour qu'il reprenne place à côté de ses avocats. The President. Mr. François Bizot. In the trial proceeding now, Monsieur Bizot, the chamber invites you to provide a testimony. La Chambre plutôt vous incite à comparaître pour que vous fassiez une déposition concernant regarding the ce que vous savez des faits M13, survenus à M13. Situé à Hom Leng, in Tpong district, Kampong Speu province, dans la province de Kampong Speu, during the year of 1971, entre 71, first the chamber would 75. Like to ask you, et nous aimerions, whether your name is François Bizot, commencer par vous demander de décliner votre nom. Est-ce que vous appelez bien François Bizot? Je m'appelle François Bizot. Yes, my name is François Bizot. Talo, the president. How old are you? Quel âge avez-vous? J'ai par l'école française d'Extrême-Orient. Et je peux commencer ma déposition tout de suite, monsieur le juge? I can start. Non, pas encore. Excusez-moi. Speaking now? No, apologies. President, the chamber will ask you some questions regarding your identification. D'abord, vous poser quelques questions so pour établir please votre listen votre to identité. The, my questions in Je order to understand them properly questions. About the identification. The next question is, how old are you? Quel âge avez-vous? J'ai 69 ans. I am 69 years of age. The President, what is your nationality? Quelle est votre nationalité? Je suis de nationalité française. I am a French national.
the president. What is your current address? Quel est votre domicile actuel? Actuellement, je réside à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Chiang Mai, in northern Thailand. Look, question. What is your current occupation? Quelle est votre profession? Je suis chercheur et enseignant, membre de l'École française d'Extrême-Orient. I'm a member of the École française d'Extrême-Orient, the French School for Far Oriental Studies. Question. According to the report from the Greffier, Mr. François Bizot have no direct or indirect link to any parties of this tribunal avec aucune des parties à la présente procédure. En effet, je n'ai this aucun lien de parenté avec les noms, la liste des noms que j'ai pu lire. Relation to the list of names that I've been in a position to read. Thank you. Look, Mr. François Bizot, as a witness, the chamber Monsieur Bizot, vous êtes cité à comparaître comme témoin. Make an oath à ce titre, before making a testimony. Que vous prêtiez serment avant de déposer. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Je suis tout à fait d'accord. Yes, I do agree. The greffier, please take the text of oath. Je demande au greffier de donner le texte du serment au témoin en langue française. Je le dis. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. I swear to speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. No, from the president, Mr. François Bizot. Were you detained by Monsieur the Khmer Rouge, est-ce que vous avez été arrêté Khmer Rouge soldiers par at Udong Mountain and detained Rouge at the security office M13 located in Om Leng, Phong district, Kampong Speu province, Kampong in 1971? C'est exact, Monsieur le juge. That is correct, Your Honor. Look, the President, Mr. François Bizot. Monsieur Bizot. Can you describe the actual scene that you have heard have seen at the office M13? Ce que vous avez vu au located camp at the aforementioned location during the time you were detained there until your release jusqu'à votre libération to Phnom Penh at the time? Et votre arrivée à Phnom Penh. Avec plaisir, Monsieur le juge. Certainly, Your Honor. Je souhaiterais néanmoins commencer ma déposition, however, I would like to begin d'une certaine manière, my testimony with par un petit épisode final de ma détention au camp de M13. À la veille de ma libération de M13, le 24 décembre 1971, je fus autorisé par Duit, par l'accusé, the accused Doit, à offrir un repas d'adieu à mes congénères throw a farewell attachés aux tringles l'un contre l'autre. Lunch, to my co-inmates, le rapportant moi-même les récipients de soupe au poulet qui avaient été composés sur la base de l'argent qui m'avait été confisqué au moment de mon arrestation, je me suis donc approché d'eux un à un. So with that, pour ceux qui osèrent parler, money, ils me dirent I could, throw this party. Veuille, mit barang. Other Somme people comme approached on plaît me young, ne, veuille, mit barang. Camarade français, I translate, French comrade, ne nous oublie pas, s'il te plaît. Don't forget us, please. Don't forget us, please. Aujourd'hui,
C'est Doit. Today, it is l'accusé. Doit who is the accused. Et c'est lui qui est derrière l'étrangle, si on peut is dire. The one, so to speak, who is all tied up, who is qu'il me soit permis, in chains, en cette circonstance, symbolically. So, d'évoquer in today's la mémoire des prisonniers like de M13. To, dans le souvenir, the ne prisoners me quitte of M13, I can never et en particulier them. De in mes deux collaborateurs, my two helpers, Hock Lai et Kang Son, qui ont été exécutés dans un autre camp parce qu'ils avaient travaillé avec because moi. They had worked with me. C'est en leur nom à tous it is in the name of all these people, on behalf of que all je veux those people, témoigner that aujourd'hui. I would like to, give testimony today. Cela étant, this trois mois auparavant, three months earlier, j'ai été amené, dans le cadre de mes recherches sur le bouddhisme cambodgien, à aller dans la région d'Udong, went to the region of Udong, ayant été chassé I had, de la conservation d'Angkor et du parc d'Angkor où je résidais et où je travaillais par l'invasion nord-vietnamienne. Been working earlier, I'd had j'ai to flee mon travail because of the, invasion. De recherche and I continued my research dans, cette, dans la région de Kandal, in dans la province the Kandal de Kandal. Province. Le 10 octobre, on 10th of October, je suis parti I started au nord d'Udong and I moved pour aller towards the north of Udong dans un monastère to go to a monastery which is called Wat O qui était à proximité du village close de Tuol Topi. Village of Tuol Topi. J'étais venu en voiture dans la voiture de service de la conservation d'Angkor ou plutôt de l'école française d'Extrême-Orient avec ma fille Hélène qui était âgée de with my deux ans Hélène, un peu plus de deux ans Hélène, who was over avec two deux collaborateurs dont j'ai mentionné les noms assistants whose names et I've already accompagnés de deux trois personnes du village there were also two or three villagers with us. Pour me montrer la route the idea was du monastère Wat Oh. Arrivé dans ce monastère nous avons été reçus par le vénérable supérieur we were received in the et je me suis rendu compte abbot, que les choses n'allaient pas abbot, du tout comme il était pensable que ça se passe, étant donné exactly que le supérieur normal. Était très nerveux. The abbot was indeed extremely et c'est là nervous. Que je me suis rendu compte so qu'il y avait eu une embuscade, soit qui m'avait été tendue, soit kind of que j'étais tombé malencontreusement sur une patrouille de miliciens. J'étais aussitôt appréhendé. Mes deux collaborateurs ont été ligotés. The militia, my dans le dos. Two helpers were tied moi, j'ai, up their, me suis débattu, j'ai refusé, arms, j'ai refusé comme tied up behind their backs. Des gottes, et j'ai été emmené à ma demande did not have my hands tied bien up. Illusoire. Mais j'ai, voulu, j'ai demandé à rencontrer un responsable to no great avail, of course, but I demanded to, et j'ai été emmené au village de Tultopi. Nous sommes restés à peu près Tultopi, deux where heures. We stayed approximately 2 hours. Au cours de ces deux heures, j'ai été interrogé during par un responsable hours, I was, qui m'a écouté, qui a écouté ce que j'avais à lui dire, et notamment que je venais dans ce monastère pour étudier les rituels du bouddhisme cambodgien. Et à la fin de ce que j'ai pu lui expliquer, il en a déduit que j'étais un agent de la CIA et il me l'a dit. Mes essais ont été fouillés. We were searched, pour y découvrir peut-être un micro ou je perhaps ne sais pas. They were looking for a et ensuite, microphone or some kind of mes deux camarades device, ont été emmenés de leur côté et moi-même, taken away in one direction, j'ai I was taken été ligoté elsewhere, et was tied aussitôt up, emmené and sur une piste I was taken away de campagne on a dirt track, sur laquelle j'ai poursuivi mon chemin avec deux jeunes gardes dont un tenait le fusil. I was accompanied by two young guards. One of them was carrying a gun. Nous avons passé la première nuit dans une sorte de sala, in some kind of a sala, à proximité d'un village. An open pavilion, close et ensuite, to a village, le lendemain, je suis arrivé, le lendemain matin, je suis arrivé dans un village que je n'ai pas identifié. In a village that I could not identify. Où j'ai retrouvé mes deux compagnons qui étaient eux-mêmes déjà dans une position où leurs jambes étaient bloquées par un knorr,
un knorr en bois, une sorte de système de deux poutres avec une partie small beams en demi-lune qui permettait de mettre les chevilles. J'ai donc pris place dans la même position à côté d'eux. So quelque temps après, put next to them, on est venu me chercher. J'ai été jugé par un tribunal qui était composé d'un Khmer Krom, qui était reconnaissable à son accent, et entouré de deux greffiers qui notaient ce que je disais. Et autour de ce tribunal populaire, il y avait une cinquantaine de villageois 50 villagers qui étaient derrière moi, sur les côtés. Behind me and on either side of me. Mon interrogateur, qui était accoudé à un bureau sur une estrade, m'a dit qu'il me connaissait. He said he knew me. Et qu'il m'avait déjà vu à Saigon. He had already seen me in Saigon. Et que les valets de l'impérialisme américain avaient besoin de gens comme moi qui parlaient les langues like me, were, et le Khmer pour payer, and who knew Khmer in pour apporter l'argent aux combattants, money to the, à la solde des Américains, who were parce qu'ils n'avaient pas confiance en leurs soldats. J'ai évidemment nier cette accusation qui n'était pas vraisemblable, qui n'avait pas beaucoup de sens. J'ai dit, si c'est le cas, si vous en êtes sûr, alors tuez-moi tout de suite. Well, right, ce qui right a fait provoquer les applaudissements des personnes qui se trouvaient derrière nous. Ensuite, after which, vous me permettrez d'abréger un peu, parce que le détail, je ne le m'en souviens plus très bien, mais le la personne qui posait ces questions a dit qu'il y avait donc contradiction entre ce que l'Ankar savait et ce que moi je venais de répondre, et que par conséquent, je devais être considéré comme quelqu'un qui était dans la position d'un accusé de quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Sur le champ, j'ai été remis dans la position du knorr à côté de mes deux compagnons. Put back into the knorr device alongside un repas nous fut servi. A meal was puis, given to us. Après avoir entendu des clameurs autour de la maison, noise, qui disaient around the house of people who were saying, qu'attendez-vous pour le déshabiller et pour him le tuer and kill him. Des Khmer Rouge whereupon sont montés, m'ont Khmer détaché, Rouge came up, m'ont emmené, m'ont bandé les yeux. Me, et j'ai été conduit pour être exécuté. Je ne saurais jamais s'il s'agissait d'un simulacre d'exécution ou s'il s'agissait d'une exécution qui n'a pas été menée à son terme. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas été exécuté et j'ai été emmené sur un chemin qui devait me conduire le lendemain matin whereby the following morning à M13. I would be reaching M13. Sans mes compagnons. Without my companions. Il s'avère que it happens to be that Lai et Son, Lai Son m'ont précédé ou sont arrivés arrived there peu de temps après moi. A little after me. Dans le même camp. In the same camp. Arrivé sur and place, when I arrived there, je n'ai pas eu tout de suite une vue d'ensemble du camp, mais j'étais accueilli par un responsable qui s'est montré immédiatement cynique et agressif et qui a donc donné les ordres nécessaires pour que ma cheville, une de mes chevilles, soit mise dans un étrier au bout d'une tringle à laquelle se trouvaient déjà une quinzaine ou une dizaine de détenus. Ceux-ci m'ont fait de la place et j'étais évidemment effrayé, non seulement par
le not only by principe this, de la tâche, mais aussi par also by, le, ma situation en bout de tringle. My situation at the end of this bar. Ayant and having une ossature assez having a bone composition épaisse, that is quite sturdy, ma cheville n'est pas entrée dans l'étrier. Heel was not able to come into this shackle, and le responsable que j'avais déjà aperçu a donné des indications pour que l'on cherche un étrier qui me convienne. The indication so they could come up with a shackle that would be able to fit my ankle. Interpreter corrects himself. Sorry, ankle. Là-dessus est arrivé. So then came un jeune homme. A young man. Lorsqu'il est arrivé, and when this young man arrived, je n'ai pas remarqué tout de suite. I did not notice this right away, but et j'étais en train de dire, was saying, pendant qu'on allait chercher I was reading while they were cet étrier qui devait me convenir, que je souhaitais to, pouvoir fit my ankle, that I me laver that I wished dans la to rizière, take a bath, étant donné que ça faisait deux jours et deux nuits it had been two days que nous marchions, que j'avais marché we had been walking, dans la, dans, in, sur une terre on, graisseuse on, qui était... On mud, lavé par les pluies and mud that et had been, j'étais moi-même soaked by the rains and therefore I wished to bathe. Et c'est en insistant sur le fait que je voulais on the fact that I wished prendre 5 minutes pour aller me laver un peu dans la rivière to go take, to bathe que in the river, le jeune homme que j'avais entreaperçu that I had just noticed, m'a dit said to me, tu veux aller te laver okay, you want non, enfin je veux dire en Khmer, in Khmer you want to bathe. Il s'est avéré and it happened que j'ai donc pu tout de suite aller me laver et j'ai compris que right le responsable n'était pas la personne agressive que j'avais rencontré tout de suite, mais qu'il avait au moins un supérieur right qui avait la possibilité de contredire, parce que, oui, excusez-moi, monsieur le juge, j'avais oublié de dire que le responsable à qui je m'étais déjà adressé avait refusé totalement que je puisse aller me laver. Je suis donc allé me laver et en revenant, étant donné que le problème de mes étriers n'avait pas été réglé, of my shackles had not been settled, le the jeune homme young qui, man m'avait, who had, qui m'avait autorisé à me laver authorized a me to take donné the, des indications pour que l'on me conduise indications so that I'd be brought à un endroit séparé, to, a separate place en dehors outside des of, trois baraques the three huts dans lesquelles in which se trouvaient des prisonniers, prisoners peut-être une quarantaine, entre 40 et 50, lodged, about 40 to 50 of them, et j'ai été and I was donc conduit therefore led sous une sorte under, some d'auvent kind of, en bambou qui était destiné à recevoir roof, les sacs de riz que les villages, que les villageois, bamboo, storage space, that was receiving, that were rice bags were stored, à proximité du camp, which was right next to amenaient the toutes les camp, semaines and sur une charrette. Was brought there every week on cars. Le bafflant qui était donc and, construit sous cet auvent était this, destiné à recevoir les sacs de riz. This shed, et il était, effectivement, c'était l'endroit placed, était occupé par les was, trois sacs de riz qui s'y trouvaient déjà. There were three bags of rice mon pied there. A été so my foot was enchaîné tied, locked up à in a chain, un des mince pilier de bambou qui soutenait cet auvent. Small bamboo posts that would hold up the shed. Et je me souviens que la pluie s'était mise à tomber that et que je suis resté un petit bout de temps comme ça. That I remained there for a while under the le soir est arrivé and then the night fell, et un repas me fut servi par un jeune gardien qui est venu en ce temps by, vers moi entre les flaques d'eau et sous between, la pluie. Under the rain and between the ça a été ma première nuit dans le that camp. Was my first night in the camp. Je me suis vite endormi and I fell asleep quite quickly. Et le lendemain, day, j'ai fait plus ample connaissance I avec got to know better donc the celui person que j'avais déjà perçu comme le responsable I du camp. Noticed as being the head et of the camp. J'avais and, obtenu des gardiens had, de savoir qu'il s'appelait from the guards that his name was puisque Duke, eux-mêmes parlaient de lui en because l'appelant they were speaking Duke. About him as such Duke. Assez rapidement, quite quickly, il a pris la décision de mener lui-même les interrogatoires qui allaient carry out commencer. The interrogations himself that were going to start. Et il m'a dit and he said to me que that, il y avait des charges contre moi there were qui étaient très graves me that were very serious, et j'ai and I eu à écrire had to ma write première down déclaration my d'innocence. First statement of innocence.
J'ai écrit un certain nombre de déclarations d'innocence sur des feuilles qu'il me fournissait lui-même. Avec beaucoup d'émotion, parce que je pensais que ça faisait partie des choses que je laisserais derrière moi et probablement des dernières choses que je pourrais laisser derrière moi. Très vite, l'ambiance du camp apparaissait comme un camp où l'on ne pouvait pas sortir. Les jeunes gardiens dont mon existence quotidienne dépendait à chaque instant, à travers leur puérilité, la puérilité de leur âge, et aussi leur côté pervers, parlaient entre eux, et il était assez facile de reconnaître, de savoir, de comprendre de quoi il s'agissait, ce que je devais attendre, and it was quite easy for me to imagine what I could expect from them. Cela étant, so this being said, les interrogatoires quotidiens continuaient entre le responsable et moi. J'avais 27, il avait 27 ans, j'en avais 30. And, me posant des questions, toujours avec une certaine amabilité, je dois dire, politeness, I must say. J'ai été amené moi-même, I was brought myself on my own, dans la colère permanente qui m'animait, through my constant d'être anger, pris pour ce que je n'étais pas, taken for what I was not, dans cette injustice in this unjust situation, qui faisait que j'étais pris pour un espion de la CIA, which made it that they thought alors that I was a CIA spy, ces choses-là étaient bien loin de mon esprit. But of course, this was very, very far from what I was. Je suis amené à me rebeller d'une certaine manière en répondant à ces questions et à lui poser des questions en retour. And et ceci a duré des semaines et des semaines. Et il est bien évident qu'à ce rythme-là, kind of une certaine habitude fut prise entre nous qui n'a pas été sans I must say, tissé which des somehow, liens d'une I must relation say, built some kind of régulière. Let's say, I wouldn't say friendship, but some kind of familiarity. Si je me souviens bien, and if I remember correctly, au moins toutes les semaines, I would rendre, rendre compte. Every week, I had to report des rapports. On le voyait écrire. He would have très to tard make le reports, soir, and he would très write tôt le matin, them down very late at night and very early in the morning. La réputation, and his reputation, sa réputation était celle was d'un travailleur infatigable, of somebody who was a tireless worker, qui parlait peu, who did not speak much, très investi dans and he was very ses responsabilités de chef de camp. To his responsibilities as a camp leader. Les interrogatoires and me concernant the interrogations, my interrogations, se sont toujours déroulés always happened de manière in a polie. Polite way, et je n'ai jamais été battu. I was never beaten. Je pense que Doud avait considéré que si j'étais un agent de la CIA ou non, dans tous les cas, la meilleure façon d'obtenir de moi la vérité he would find a way ne serait probablement pas de me battre, mais d'engager une discussion would avec moi to beat me, but to start et talking to me, to start conversing with me. Moyen and the way de that, me percer to, let's say, to, fut to go, to, de me poser des questions sur mon travail. To go into me sur le would be to ask me mon travail à la conservation d'Angkor, about my work with the Angkor sur le bouddhisme about Buddhism, cambodgien, about qu'il Cambodian connaissait Buddhism, moins bien que moi, which he knew et not as well j'étais as sollicité I, par lui and I was de donner le maximum him de précision the maximum amount of dans precision, un but, me semble-t-il, de vérifier si with the aim of verifying that j'avais if, effectivement that I indeed le profil d'un chercheur ou les compétences scholar, auquel je me référais pour prétendre être un chercheur qui travaillait sur l'histoire, sur les inscriptions et sur les manuscrits du bouddhisme cambodgien. Cambodian Buddhist manuscripts. J'ai and demandé therefore à Du, I asked Du de pouvoir bénéficier to, if I, d'un cahier if I could be given a notebook qu'il m'a ramené un jour that he brought me one day, avec un bic et une lame de rasoir. A ballpoint pen and a razor blade.
J'avais très envie de pouvoir me raser. I really very much wanted to shave. That is to say that Monsieur le juge, je l'ai conservé. Here I have it. If you this here it is. Je peux and I can maybe en montrer tout de suite la couverture. Show you the cover of this notebook. មន្ត្រីសិលការចាត់ចែងផ្សារបញ្ចាំងឯកសារJe ne souhaitais seulement montrer cette pièce qui a donc été m'a été apportée par Doug, que j'ai écrit. C'est le cahier que j'ai écrit. And this is the notebook on which I used. J'y ai consigné quelques souvenirs d'enfance. I wrote down a few childhood memories. J'ai écrit quelques poèmes. I wrote a few poems in it. J'ai tenté d'établir une problématique to set up an capable issue. D'être persuasive. I tried to come up with some kind of argumentation that would be convincing in relation to my work, my scholarly work with Buddhism, and to prove to him that I was indeed a scholar. And, quand plus tard, and that when later, il s'est avéré que j'allais être libéré. It became clear that I was going to be released. Duke à qui j'avais demandé si c'était possible que je garde ce cahier avec moi. And I asked him if I could keep this notebook, and he said yes, he was going to read it. Et qu'il en déciderait lui-même. And that he would decide upon that. Il a lu le cahier. And then he read my notebook. Je pense avec beaucoup de soin. I think with a lot of attention. Il m'a posé quelques questions. He asked me a few questions about it. Et entre-temps, il l'avait aussi regardé. And he also looked. Et il me l'a rendu. And then he gave it back. Et donc, il est toujours là. And therefore, you can see the notebook is still here. Je veux dire d'ailleurs que ce cahier que j'ai notebook, donc ramené avec moi, je ne l'ai moi-même jamais relu. I never read over it again, I must say. D'où revenait, d'où, comme je l'ai dit, as I said, au moins une fois par semaine, would come at least once a week, de, du village ou de l'endroit from the village où or il semblait devoir where he was, aller. Going where he was going often to, in any case. Il était frappant what was really de voir à quel point surprising was to Duch see était en mauvaise santé. What poor health Duch was comme in, la plupart d'entre as nous. Most of us there. Je n'ose pas dire d'entre nous parce que le hasard most of us actually, a voulu que je ne sois absolument pas malade, au point même que j'en étais gêné, que quand ill, on me posait des questions sur l'état de ma santé, j'inventais quelques mots about, tête pour ne pas créer de jalousie. You know, my health, and I would invent, c'était sometimes said that I was sick, le mois d'octobre, so I wouldn't create novembre, an, décembre, envy among the prisoners. Comme vous savez, monsieur le juge, c'est le moment du paludisme. November, December was a time when there's a lot of malaria. Les ravages du paludisme dans le camp ont fait de nombreux morts. Died there. Et ceux qui ne mouraient pas and those à cause who de cela étaient dans un grand état de fatigue. In a very severe state of fatigue. Et and un jour, Duch m'a dit qu'il partirait le lendemain that he would et qu'il aurait peut-être and that he would maybe de bonnes have nouvelles some good news à me communiquer. Give to me. J'étais donc and dans une grande therefore impatience qu'il revienne and I was le lendemain. Waiting for him to come back the next day. And c'est à la suite de ce retour after qu'il he a returned, été en mesure de me faire savoir he made me know que that je pourrais retrouver I ma famille. Could go back to my family.
Quand j'ai and when appris cette nouvelle, I learned this, à laquelle je n'ai pas cru, and I didn't believe in it, of course. Il faut savoir, you must understand that, Monsieur le Juge, que that rien n'était your dit. Honor, that nothing was le mensonge said, était l'oxygène que nous respirions, lies were our daily bread, I must say. Nothing could be le mensonge était présent aussi bien lies quand on disait à quelqu'un qu'il allait, somebody, quand on conduisait quelqu'un à la when mort, you would lead somebody on ne to death, disait you would also lie jamais. To him. You would never tell him, of course. C'était nié jusqu'au dernier it was moment. Denied until the last moment. Et que and cette promesse de and liberté, this promise of freedom seemed to me also. J'avais bien du mal à la croire. Well, I couldn't believe it comme because fait remarquer, je ne pourrais jamais apporter de preuves. As I said, I could never bring any de ma non-culpabilité. Evidence of my innocence. Et que lui-même n'en aurait jamais sur ma he culpabilité. Would never have also et any ça, j'étais evidence au moins le seul à le croire. On my guilt, but okay. I was the only one to believe this. Cela and étant, this being said, l'espoir ne quitte jamais. Never left me. And le prisonnier. And hope never leaves a prisoner. Et en même temps, je. And at the same time, j'avais déjà compris que I ma vie dépendait. Mon existence était entre ses mains. That my life was pas in his hands. But not only my life. However. Donc quand il m'a so when he dit que j'allais être said libéré, to me that I was going to be released. Ça a été une nouvelle que je n'ai pas reçue did not register avec la joie qu'on pourrait escompter, of course, mais it did not make me joyful on ma the réponse, spot. Mon attitude était de dire, but prouve-le, my attitude was enlève-moi okay, mes chaînes. Prove it to me, unshackle ces chaînes me, untie qui étaient me, si pénibles. These shackles which were so painful. And il a donné then, les indications indeed, sur le champ he gave the order au jeune gardien right on the spot comment to the young guard. To take my shackles off. Je dis dans ces conditions, and I say, well, in these si conditions, je suis innocent, if I am innocent, si je suis libéré, if je I'm suis released, innocent. I am innocent. Et si je suis innocent, and if I'm les innocent, deux Khmer qui sont avec moi the sont aussi. Who, alors libère-les. They are also innocent, so please set Duh them free a donné as well. And Duh les indications gave the order aux jeunes gardes to the young pour guard que mes deux compagnons soient détachés. To release my two companions, my two Khmer companions, donc and après I met trois them, mois. Therefore, 3 months later. Inutile de vous dire l'importance de ce moment de retrouvaille moment que nous n'avons was. D'ailleurs pas du tout manifesté, mais on s'est revus en met, parlant peu, we mais met on s'est revus we didn't sur le say champ. Much, but we met again. Cela commençait à être pour moi une raison forte d'espérer. A strong reason for hope. Pour Lai et pour Son, for certainement Lai. Pas. And so it was certainly not the case, however, they believed that une manière it was a way de faire avaler la pilule. To try to cover things. Et pas un d'entre and eux, none of them, pas un de mes none of my co-prisoners n'a cru en me voyant partir que je serais libéré. When they saw me go, that tous I would be ont pensé released. All thought secrètement secretly that indeed que le chemin que j'allais prendre, that qu'on allait way me faire prendre, était aussi le chemin que the mes way prédécesseurs avaient suivi. That my predecessors had followed. Je devais donc être libéré pour le jour I de Noël. To be, I was supposed to be released on Christmas Day. Pour une histoire stupide de vélo qui avait été emprunté par un jeune gardien story, et qui n'avait pas ramené le vélo à temps, ma libération fut reportée back, au lendemain. Camp, and therefore, my release was postponed évidemment, to the next day. Of course, ce décalage this, par rapport au programme prévu m'a mis dans une grande really confusion. Put me in a great state mais quoi qu'il en soit, c'était and, le soir de Noël. Matter, nonetheless, it was Christmas Eve. And ce fut l'occasion. And this was the opportunity, puisque j'étais libre, since I was free, de passer ma première nuit sans chaîne, spend my first night without mais aussi, chains, but also de mieux connaître, to get to know ou de connaître, better, disons, or let's avec say, un regard différent, to, ou de voir to know in a different perspective, différemment or to, quelqu'un or qui to allait aussi avoir une attitude différente avec who's moi, also gonna start developing a different attitude towards me, because I was dans une situation, situation si, presque that was non plus intermédiaire même puisque j'étais kind of en voie de libération because I was on my way to freedom et and, autour and around, d'un feu fire, qui était que souvent les gardiens allumaient because, le soir often the guards would parce qu'il light faisait fires froid at night because et it was dire cold que and, le froid à cette and, période and, de l'année and dans la forêt des cardamomes était particulièrement really vif the forest, et des nuits glaciales period, of the year, et que really icy, cold, j'ai bénéficié ice cold nights. And,
au moment, and when, au cours des nuits les plus difficiles, d'une bûche during the most difficult nights, I had que les gardiens m'apportaient guards would give me a log of wood, que le sol sur lequel je dormais so soit that moins froid. I could sleep on a warm, donc, the a warm nous ground. Nous sommes. So therefore, je me suis approché du I feu, came close d'où to the devait fire, se trouver. J'ai oublié les détails. Et ce fut l'occasion de parler. To speak. On a parlé plus librement. So we could talk more freely. De nos familles. We talked about our families. Mais d'où, autant que je le sache, n'en avait pas, en dehors de ses parents. See, je veux dire, il n'était pas lui-même chef de famille, il n'avait pas d'enfant. Et Doute était aussi attentif à savoir ce qu'était devenue Hélène, ma petite fille qui m'avait accompagné dans la voiture girl, et qui était restée au village à côté, au dernier village à côté du monastère de Vautreau, et qui était restée avec une des jeunes filles qui l'accompagnait, qui nous accompagnait au village à jouer avec les enfants. Mais j'avoue que cette circonstance a été à l'origine de toutes les des souffrances constantes was, one of, the most constant and que j'ai eues pendant toute ma détention, de ne pas savoir où elle pouvait se trouver, est-ce qu'elle était devenue. Detention, I did not know j'ai essayé de me rassurer sur ce point. What had happened to her. So I was reassured on this point. Et j'avais eu, quelques jours auparavant, and a few days earlier, à deux en deux circonstances, in l'occasion de m'interroger times, had sur to wonder les moyens qui étaient dont disposait le camp pour faire parler ways and means les prisonniers, to the camp, car j'avais compris to talk, toujours sans I que en interprétant course, des signes et des messages, interpreting signs and messages, essentiellement provenant des gardiens, from what I perceived, qui m'ont d'ailleurs, en dépit des ordres qu'ils avaient reçus, pratiquement tout dit. J'ai su que nous n'étions pas loin d'Om Liang. Ils en parlaient entre eux. They were talking about this amongst themselves. J'ai su que so les prisonniers I managed to understand étaient frappés. That prisoners were beaten. They were l'autorisation hit. De me laver le premier jour the fact that I was a été reconduite et il fut acquis que je sois en mesure de prendre un bain tous les soirs. Right, so to speak, that I was entitled to a bath au every cours evening. D'une de ces baignades now, dans une rivière qui ne faisait pas plus de 30 cm de profondeur, mais quoi qu'elle en soit, c'était une rivière d'eau claire, j'ai été amené à gravir la berge opposée sur quelques dizaines de mètres et j'ai vu une cabane dans laquelle and in this hut, ou devant laquelle or rather in front j'ai eu assez d'audace hut, pour I was dont je me suis approché. Bold enough actually to go close j'ai vu qu'il to y avait hut, and I saw that une barre verticale en bambou assez épais avec pole, des rather thick pole, anneaux with rings en rotin rattan que j'ai tout de suite rings. Interprété comme I étant immediately des understood liens or interpreted that this was a place qui étaient destinés à retenir des poignets. People would be tied up by their wrists in this et kind of device. Et puis je suis vite reparti, mais j'ai gardé ce souvenir-là. Et un autre souvenir, en revenant de mon bain toujours, c'était à peu près le seul moyen d'avoir un champ visuel différent de celui auquel j'étais autorisé par la longueur de ma chaîne. Je suis tombé sur un prisonnier, un ancien prisonnier, disons un prisonnier qui était déjà là depuis suffisamment longtemps pour être toujours prisonnier, c'est-à-dire pour partager le sort des autres, mais ne pas être astreint à l'enchaînement, à la tâche permanente. Et il était en train d'affûter une tige de rotin.
And he was busy. Et en passant à côté de lui, sharpening a rattan. Je lui dis, stick. Hé, hey, camarade, qui c'est que tu vas frapper avec cette tige de rotin? Hey, et le malheureux m'a regardé en me disant, mais non, c'est pas moi qui frappe. No, tu no, penses no, bien no, que c'est I'm pas not moi. The one who does the hitting. Of course, I'm not the one who does the hitting. J'avais pas du tout l'impression qu'il était justement en train de fabriquer une baguette de rotin, une verge. That, et c'était avec ces deux observations que ce soir de Noël, j'ai dit à Doug, j'ai demandé à Doug, mais qui c'est qui frappe? Doug n'a pas hésité à me répondre unhesitatingly answered that cela lui arrivait de frapper sometimes les prisonniers he did the hitting, dans la mesure où ils mentaient he would hit the prisoners because et où they les would dépositions lie, qu'ils faisaient étaient contradictoires, que le mensonge insupportait, que ce travail hated le lying, je ne me souviens pas des termes exacts, mais peut-être ce travail le faisait vomir, mais que c'était celui and de sa responsabilité, kind of que c'était ce que l'Anka attendait de lui. Had, ce travail correspondait à it ses fonctions. Job, j'ai été effrayé. Task was part of his et je pense que so I was cet événement, qui fut un événement pour moi fondamental, event was a, est à l'origine d'un long travail a landmark event for me. And it is no doubt the qui a eu en moi the starting point of the process inside me. Je dois dire, monsieur le juge, que j'étais jusque-là Your Honor, I should say that until then, assez rassuré. I had felt reassured. Je considérais que nous étions, que j'étais du bon côté de l'humanité on the et qu'il right existait humankind. Des monstres auxquels, Dieu merci, and je ne pourrais jamais heavens, ressembler, I qu'il y avait une différence d'histoire, there was a difference due to de history, sensibilité, to qu'il s'agissait d'un état de nature, and that this had to do with que tout le monde ne pouvait pas l'être, and not, que not certains naissaient comme cela could be a monster. Et que some d'autres people were born ne le seraient jamais. Into those ranks and other people would never je dois dire belong to those ranks. Que la réponse de Doug est ce que j'avais perçu evening, à travers lui Doug's answer and my perception au, cours des, au fil des interrogatoires of the man in the course of the different questioning m'ont fait tomber episodes. Les écailles des yeux. Ce soir de Noël, opened my eyes. This was an alors eye-opening que event je m'attendais, for me, on the quand il m'a dit cela, evening of Christmas à découvrir day, un monstre, I had expected to inhumain, comme nous avons l'habitude de le dire, monster, je me suis rendu compte que person, c'était infiniment plus tragique et infiniment plus effrayant, things were much more tragic, much more frightening. Que j'avais en, moi, en face de moi un homme me, qui ressemblait à beaucoup des amis que j'avais, un marxiste, very much communiste, like many marxiste, of mine, a marxist, qui avait donné, a human being qui était prêt à donner marxist, sa vie s'il le fallait, who was prepared pour son to pays, surrender pour la révolution, his life for his country, en laquelle for il croyait, he believed in this cause, et que le but ultime de cet engagement the était ultimate goal of his le bien-être and his belief was the welfare and well-being des habitants du Cambodge, of, the inhabitants une lutte of Cambodia. Contre l'injustice, he was, fighting against injustice, inequity. Même s'il y avait and bien des facilités although, à travers les clichés qui étaient employés pour décrire le paysan khmer, dont la révolution cambodgienne communiste s'abreuvait. Ce paysan khmer qui était dépeint sous les traits d'un archétype qui avait été créé de toutes pièces, mais même s'il y avait une naïveté diabolique,
Nevertheless, even though there might be some diabolic form of naivete in this archetype, there nevertheless was a measure of true sincerity, fundamental sincerity. In his perceptions, as is the case with many revolutionaries, I myself in Paris had many friends who were committed to this communist revolution, and they were looking at events in Cambodia with que je trouvais révoltant, mais qui était with a gaze that to me was quite horrifying, but it was à leurs yeux par une fin qui justifie les moyens. Cette fin qui justifie les moyens étant l'indépendance du Cambodge, son droit à l'autodétermination, Cambodia's right to self-determination, et puis la fin de la misère, putting an end enfin les rêves. Mais les Cambodgiens n'ont pas été les premiers dans l'histoire des hommes à tuer pour faire vivre des rêves. J'ai donc vu pour la première fois derrière le masque du monstre que j'avais en face de moi, puisque d'une certaine manière il était chargé, c'était sa fonction d'interroger. Pour autant que je l'ai compris, monsieur le juge, je n'ai pas été. Je n'ai pas tout vu, loin s'en faut, mais voilà ce que j'ai compris et je ne peux déposer qu'en fonction de ce que j'ai compris et des souvenirs que j'en ai. Son travail était donc de dresser des rapports sur les personnes qui lui étaient envoyées pour être exécutées. Et je me suis rendu compte dès lors que le monstre en question avait des caractères humains qui étaient bien dérangeants et bien effrayants, et que dès lors je n'étais plus moi-même à l'abri, et que nous n'étions plus à l'abri, et que le pire serait certainement d'en faire de ces monstres des gens à part. C'était donc beaucoup plus compliqué que cela. Je n'ai pas tout formulé comme cela à l'époque, mais cette rencontre et cette épreuve de laquelle je ne pensais pas sortir vivant, qui a été à l'origine d'une sorte de mijotage à feu doux, et qui, le jour où j'ai appris qu'il était encore vivant, est ressorti, est ressurgi, car j'ai pensé que s'il y avait une chose à dire, c'était que, d'autant plus qu'entre-temps, l'horreur des crimes de Tulsa Sleng s'ajoutaient à la gravité des faits de M13. Et j'ai pensé que donc s'il y avait une chose à dire, c'est que j'avais rencontré ce jeune homme à l'époque où il était un révolutionnaire en herbe, qui avait reçu progressivement au milieu des siens, sous le regard des siens, une mission qui s'en était acquitté d'une manière effrayante, mais avec un grand sérieux, toujours dans un but d'accomplir sa fonction, et que dès lors, il était bon de faire savoir qu'un tel danger n'était pas le fait d'un monstre à part, mais provenait d'un homme qui ressemblait aux autres. Et je me suis rendu compte qu'il fallait aussi distinguer ce que l'homme fait de ce qu'il est. Et je me suis rendu compte aussi que être coupable de ce qu'on a fait ne doit pas intervenir sur ce que l'on est. It does not have je crains a total bearing on what one is. Avoir aussi compris que la situation dans laquelle and I also understood that the situation il se trouvait in which Doik was ne lui permettait pas did not de faire marche arrière. Allow him to step pas seulement back par crainte de mourir, ce qui n'aurait pas manqué, not just mais simplement parce que sous le regard des autres, par rapport aux engagements qu'on a pris, quand on entre dans le maquis, on est dans un groupe, on est dans une famille, et c'est certainement extrêmement difficile d'en sortir. In this kind of le piège s'était refermé sur lui.
it's very difficult to step out of this kind of situation. So he was trapped into that situation. J'ai terminé ma déposition. And that is what he is still fearful of to this day, Your Honor. I have concluded my testimony. Thank you. The President. Le Président. Next, I would like to ask whether our judges of the bench would like to pose any question to the juge, witness. Judge Lavergne, you take the floor. À notre témoin, Monsieur le juge Lavergne, la parole est à vous. Merci pour votre témoignage. Thank you for this. Je vais essayer de vous poser un certain nombre de questions pour préciser sa portée. Tout d'abord, concernant les faits et le camp lui-même, vous avez indiqué que, à votre avis, il y avait environ entre 40 et 50 détenus. Est-ce que vous avez relever si ces détenus venaient de catégories particulières de la population cambodgienne? Est-ce qu'il s'agissait plutôt de prisonniers de guerre, plutôt de gens de la campagne, de gens des villes? Est-ce qu'il y avait beaucoup de changements dans cette population? Est-ce qu'il y avait des arrivages, même si le terme n'est pas très élégant? Est-ce qu'il y avait des nouveaux arrivés? Oui, j'ai effectivement, je pense que c'est autour de 50 personnes, en tout cas au moment où j'y étais. Et je n'y suis resté que 3 mois. Ce que j'ai pu voir de ce point de vue m'a fait comprendre qu'il s'agissait beaucoup plus de paysans sous contrôle, qui habitaient des régions sous contrôle des Khmer Rouge. Les arrivages, enfin, pour reprendre votre terme, monsieur le juge, excusez-moi, donc les arrivées de nouveaux prisonniers, la plupart du temps, étaient des prisonniers qui venaient seuls ou accompagnés, éventuellement, comme je me souviens, cet homme qui était venu avec sa petite fille, ou qui arrivait par deux ou trois. Et ceux-là venaient probablement des mêmes zones. Le problème était, je pense, sur les zones, la partie frontalière entre les territoires contrôlés par les Khmers Rouges de cette région militaire du Sud-Ouest, qui était vraiment un bastion, et puis les zones qui étaient en contact avec les régions dites contrôlées par les gouvernementaux. Et il semblerait que M13 était déjà, sans en être sûr, mais orienté vers une sorte de police de sécurité du contre-espionnage. Enfin, en tout cas, l'essentiel était presque toujours des gens qui avaient été trouvés dans une zone où ils n'étaient pas connus, où ils ne pouvaient pas donner d'explications sur leur présence. Alors que, et donc, beaucoup de gens qui faisaient un peu de trafic entre les deux zones ont pu tomber sous cette définition d'espionnage. D'autre part, quand il y avait, j'ai été le témoin d'une arrivée de militaires qui était arrivée le soir au moment où quasiment la nuit tombait. Ils étaient pieds nus, ils étaient une quinzaine, une vingtaine, j'ai oublié, peut-être même plus, une trentaine. Et ça avait mis le camp en émoi parce que rien n'était prévu pour les accueillir et le camp, leur destination avait été en quelque sorte, elle était inattendue et elle n'était pas bien orientée. Et ils sont repartis le lendemain, ils ont passé seulement une nuit. Je pense que le camp de M13 n'était pas un camp où on recevait les prisonniers de guerre.
Vous nous avez exposé la situation qui vous avait été réservée. J'aimerais que vous nous donniez un peu plus de détails sur la situation de vos autres congénères, pour reprendre l'expression que vous avez vous-même utilisée. Vous avez dit qu'ils étaient entravés, qu'ils avaient des pieds dans des étriers. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les conditions d'hygiène dans lesquelles ils pouvaient vivre? Comment ils pouvaient satisfaire leurs besoins naturels? Est-ce qu'ils avaient la possibilité d'effectuer une toilette? Est-ce qu'ils avaient également de quoi se nourrir? Did they have enough to eat? Tous les prisonniers, François Bizot, all of the prisoners except for a few rare exceptions avaient une jambe entravée one leg that was shackled par un étrier qui glissait sur une tringle kind commune. Of sliding shackle on chaque a baraque, common bar, baraquement, each barrack, dont each le sol, hut, dont le plancher était peut-être and the floor à 80 cm du sol, hut, which was about 80 centimeters from the ground, could house autour d'une vingtaine de prisonniers, 20 15, prisoners, maybe 15 or 20, plus. Maybe if you pack them together a bit more. And il y avait trois baraques, there were trois baraquements, huts, et three, un des baraquements était one of the plutôt huts réservé was rather destined for aux malades, people who were prisoners who were ill. Et donc and c'était surtout deux baraquements there were qui étaient essentially therefore two huts that were filled with enfin, prisoners. La surface était pleine, était comblée. Who were packed, let's say. En ce qui concernait l'hygiène, il n'y avait there was aucune no possibilité, possibility, absolutely no possibility pour eux, for pour them, aucun prisonnier, for de se laver. To bathe. En dehors outside de cette possibilité, of this, au moment où il pleuvait, when it, c'était le cas quand j'y étais, rain, d'utiliser what, les bambous réservés there, pour l'urine. To use the bambous that were il y avait used des urinate, bambous, there were, gros bambous qu'on trouve dans like a big bamboo certaines forêts cambodgiennes that you can find in certain Cambodian et qui peuvent être utilisés that could be used, comme des de grands gobelets avec lesquels, d'ailleurs, on récolte with which you le sucre can which you harvest the sugar from the sugar palms. C'était ce type and it was this kind of large bambou qui était employé wide bamboo that was used et qui était suspendu was hanging un ou deux from one or deux extrémités de chaque baraquement from the ends of en each barrack so les prisonniers that the prisoners puisse uriner, could urinate sans déranger without personne. Disturbing the others. Pour s'alléger le ventre, c'était un autre to problème. Relieve themselves, to defecate, it was et something chaque else. Prisonnier and each prisoner évoquait avec épouvante would say an absolute horror, le, would recall an l'expérience absolute horror qui était the, their, d'aller utiliser their, les feuillets. Their experience of having to use il s'agissait d'un trou, it was a hole, you see, empli de matière fécale, that was filled with feces, éclairci par les coulées de boue, covered, surrounded by mud, à l'aplomb duquel, next to which, le prisonnier, the prisoner, had devait to se battre, squat, un pied sur with chacune des planches, one foot qui avait été each one of the planks, mise en travers, that were de l'orifice du trou, right, sitting next et to the hole. Faisait peut-être and the hole 1m50 was about 1.50 de large wide. Et la crainte d'y tomber and the fear of falling into the hole faisait was épouvanter tout le monde, d'autant really plus que je crois que l'expérience était was s'était déjà produite. Was terrible for the prisoners. And in fact, it had happened. Voilà. So, that's, yes, that's what I would say. La nourriture. Judge Taverne, qu'est-ce que food. Vous pouvez nous en dire? What can you tell us about the food? La nourriture well, the food était distribuée deux fois par jour. Twice elle était composée
The food was made up of d'un riz succulent, pilé le matin même par quelques-uns des prisonniers, delicious rice that had par deux prisonniers, si j'ai bonne mémoire, qui bénéficiaient that morning by two prisoners, de ne pas avoir who had the privilege à être entravés of not being shackled, sur and, la réserve de riz que on, les paysans du village voisin the rice de Toulanco nous the, apportaient. Neighboring villages. Ce riz and était succulent, je le répète, en tout cas j'en ai ce souvenir. I would like to repeat this, and I remember j'ignore that. Si c'est la faim ou si c'était vraiment la qualité was, du riz qui me fait whether qui I was hungry or if it really was mais the quality la, of la the rice. Le riz était à volonté, but that was the only thing, the en rice, tout cas l'assiette était une assiette de riz plein, mais il n'y avait rien d'autre. So it was a full plate, full of rice, but there was nothing else. But we could eat, c'était le même régime alimentaire wanted. Pour tous les détenus, ou vous pensez avoir eu un traitement de faveur? Prisoners, Judge Laverne says, or moi-même, do you think that you were privileged? J'allais le rajouter, monsieur. I was going to add this, Your Honor. D'un traitement de faveur. I was privileged, indeed. Si j'ai bonne mémoire, à partir du moment, of the moment où Duc a considéré Duc considered que that, je n'étais pas coupable des accusations qui étaient portées contre of, moi. The charges against me, et pour me garder en bonne santé, in order to keep me in good health, j'ai I eu la possibilité de partager to share. I enjoyed the possibility of sharing la soupe soup des gardiens. To eat the same the soup en of ce the qui guards. Concerne, en dehors de ce, but outside, de mon cas, for the other prisoners, I would say, le régime des prisonniers était le même case, pour tout le monde. Well, the prisoners' diet was the same for everybody. Je précise que I'd like to specify gardiens that the guard soup était was un repas extrêmement frugal. A very very simple meal. Very frugal. Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez Your que l'on Honor, fasse une pause like à cet instant d'audience to take a break or shall we proceed? The President, the Chamber would take a 20 minutes break, resuming at 5 past 3. I would like the witness to wait at the waiting room and coming back when the court resumes. Dans la salle d'attente. So I'm Jane Croucher. Revenir après la pause.